L'amélioration des conditions de travail du personnel de la télédiffusion, une préoccupation pour les membres du syndicat des professionnels de l'économie numérique qui ont émis donc le vœu de rencontrer le ministre d'État, ministre de la Communication, auprès de qui ils ont donc présenté leurs doléances. Claude Boussougou Matoumba et Rodrigue Simangoy. Une nouvelle séance de travail avec les partenaires sociaux. Ce matin, c'est le syndicat des professionnels de l'économie numérique qui s'invite au cabinet de travail du ministre d'État Edgar Anissim Boumboum Yakou. La direction générale de télédiffusion du Gabon et son syndicat s'unissent main dans la main afin d'avancer ensemble. Il s'agissait d'éclairer justement sur la collaboration entre la direction générale et le syndicat des professionnels de l'économie numérique, étant entendu que c'est un syndicat du ministère qui officie dans le domaine des télécommunications qu'on appelle aujourd'hui économie numérique et que les activités qui relèvent de télédiffusion du Gabon, TDG, sont effectivement du domaine de télécommunications ou bien de l'économie numérique. Le Ciprofène veut améliorer les conditions de travail des agents de TDG. Nous sommes satisfaits du fait que le ministre d'État nous remet sur le travail afin d'apporter des améliorations qu'il faut au sein de télédiffusion du Gabon. Nous allons travailler ensemble pour la résolution des préoccupations du personnel en termes de l'outil de production, mais également de leurs conditions de vie et de travail. La courtoisie doit désormais animer des bons rapports entre les syndicats et la tutelle, a conclu Edgar Anissim Boumboum Yakou.